je suis partie acheter une draisienne à Charlie. En fait, on en avait une qu'à chaque fois vous me dites pas, c'est quoi, tu l'as pris où et tout. C'est, vous savez, c'est la rose en plastique. Mais en fait, vu que Charlie elle a grandi, quand elle est assise, bah, c'est pas pareil, il y a trois roues. Trois roues, ouais. Donc elle est stable. Quand elle est assise, ses jambes ils touchent presque le guidon, quasi. Ils touchent. Donc du coup, vu que j'avais un bond, là les filles, il allait finir. Il est en train de s'effacer dans mon porte-monnaie. Du coup, je suis partie lui acheter une comme ça, deux roues. Donc on va voir ce soir. J'espère qu'elle va être contente. Ah, je sais que tu aimes. On le prend? Tiens, on le met là? Tiens. Super. Un autre? Ça, t'aimes bien aussi. Il y a Myriam qui est venue avec moi, les filles. On a emmené Joy chez l'orthophoniste. Et vous savez, moi je suis pleine de rendez-vous inventés. Du coup, encore, hein. On est allé donc chez l'orthophoniste. Et là, j'ai dit, attends, je crois qu'on a kiné, mais je suis pas sûre. Et là, je viens d'aller chez kiné. Elle m'a dit, non, c'est la semaine prochaine qu'on commence. Donc, du coup, bon, elle n'a pas kiné aujourd'hui. La semaine prochaine, à part ça, la semaine prochaine, du coup, tous les mercredis comme l'année dernière, comme d'hab. Mais voilà, ma poupette. Donc, on peut aller chercher Charlie, mais on n'est pas pressé parce que j'ai fait courir Myriam dans tout. Là. Je dis, allez. Elle en peut plus. Voilà. De toute façon, ce qu'il aime surtout, c'est montrer que ses parents ont l'argent. Beauté. Mon amoureuse. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je cherche les carnets de santé de mes enfants. Je vous explique, les carnets de santé, je les mets tout le temps à la même place chez moi. Donc je sais où ils sont. Enfin, je sais où je les mets d'habitude. Et en fait cet été, vu que je suis partie à Saint-Tropez, j'avais pris les carnets de santé. Je me suis dit, je sais pas, on sait jamais. Je prends les carnets de santé, donc je les ai pris. Là, Charlie, elle était malade, je voulais donner les carnets de santé à ma grand-mère. Je cherche comme une malade, je trouve pas le carnet de santé des filles. Et en fait, je trouve ni celui de Joy, ni celui de Charlie. Je réfléchis, d'un coup, je me dis, ouais, je les ai prêts à Saint-Tropez. Donc, j'appelle mon père, je lui dis d'aller chez moi et de regarder. J'avais un endroit bien précis où je pensais les avoir mis. Donc, mon père, hier, il y va, il me dit, y a pas. Et en fait, je les avais fait recouvrir par. J'avais fait faire des trucs personnalisés, des pochettes personnalisées. Mais bon, on voit que c'est des carnets de santé. Mon père, il m'a eu. Il sait c'est quoi un carnet de santé. Donc, je lui explique. Je dis, il y a un éléphant dessus. Il y a les prénoms des enfants. Là, mon père, hier, il me dit, mais il n'y a pas Léa. Il n'y a pas de carnet de santé. Je dis, mais il y a un éléphant, là. Il me dit, je sais ce que c'est un éléphant. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il me dit, là où tu me dis, il n'y a pas. Je lui fais chercher dans quelques endroits et tout. Il me dit, il n'y a pas. Alors là, je suis en train de me dire, peut-être que mon père, il n'a pas reconnu. Et là, ce matin, je lui ai encore dit. Je lui dis, c'est pas possible qu'il n'y a pas les carnets de santé. C'est pas possible. Je peux pas les avoir perdus, les deux. Et c'est impossible. Et il me dit, ah, c'est bon, je sais c'est quoi des carnets de santé. Je lui dis, ah pas, t'as qu'à venir. Donc la semaine prochaine, je pense que je ferai un aller-retour, les filles. Faut que je les trouve. Je suis pas un abruti, hein, juste c'est quoi un carnet de santé. Mais je pense que, je sais pas, ou alors faut que je cherche, je sais pas. C'est pas possible. En fait, j'ai dit, je n'emmène. Genre, ça a été aussi il y a très longtemps, et entre temps, j'ai eu les carnets de santé. C'est très, très, très rare que j'emmène mes deux enfants en même temps chez le pédiatre. Genre, il n'y a que chez le pédiatre que tu utilises le carnet de santé. Même Joy, tous ces rendez-vous médicaux et tout, je les prends jamais les carnets de santé, il n'y en a pas besoin. Toi, avec les kinés et tout, j'ai pas besoin d'un carnet de santé. Donc, genre, le carnet de santé, je l'utilise que, genre, s'il y a hôpital ou chez le pédiatre. Et c'est très rare que j'emmène mes deux enfants en même temps chez le pédiatre. Genre, vraiment, ça a dû arriver une fois, quoi. Ou deux maximum. Et entre-temps, j'ai utilisé mes carnets de santé, je les avais. Donc là, je comprends pas. À la limite, en perdre un, ok, mais alors en perdre deux, non, c'est pas possible. Je suis sûre qu'ils sont à Saint-Tropez. Ils sont en train de me tracasser la tête, les filles, depuis hier. Je pense à ces carnets de santé. Mais vraiment, ça me rend. Tu sais, quand tu cherches un truc dans ta tête, ce qui s'est passé du temps, moi, en plus, la mémoire et moi, ça fait 50. J'essaye depuis hier, je me dis, ils sont où ces carnets? Où je les ai mis? C'est où la dernière fois que je les ai posés? Et la dernière fois, je les vois aller prendre à Saint-Tropez. Carrément, hier, j'ai re-regardé dans mes valises de quand je suis rentrée de Saint-Tropez et tout.
y a pas. Mon père m'a dit tu les as peut-être laissés à Marrakech. J'ai dit il me les aurait retrouvés, les femmes de ménage. Et il a mis à mon père là, qui est là-bas, Bruno, il m'aurait dit Léa, t'as tes carnets de santé. Il n'y a personne, l'hôtel il est vide, il n'y a pas de clients encore, c'est fermé. Genre c'est l'hôtel à mon père, ils auraient trouvé, ils me les auraient donnés. Et je me vois pas les prendre à Marrakech en plus, donc impossible. Genre pour moi, ils sont à Saint-Tropez. Ah. Ils sont à Saint-Tropez, c'est pas un château chez moi, c'est pas. Il n'y a pas 36 000 endroits et à Nice, ils sont toujours au même endroit. Alors ça se peut que Charlie allait jouer avec, mais j'aurais vu. En plus, vous savez que je suis en train de me dire que je joue avec un des carnets, mais je crois que je confonds avec le carnet de correspondance de Joy, parce qu'il y a quelques jours là, elle a joué avec. Je crois que je confonds, mais je les vois à Saint-Tropez les filles, ça me rend ouf. Je vous jure. Il faut vraiment que je les retrouve, ça m'énerve en plus. Voilà, donc là, j'irai pas. Dimanche, j'ai un truc à faire avec ma grand-mère, mon grand-père. Et non, j'irai la semaine prochaine, je ferai un aller-retour. Ma grand-mère, quand je garde les enfants, je ferai un aller-retour. Obligé, faut que je cherche moi. Donc voilà, à part l'histoire des carnets de santé, les filles, ça va. Ce matin, j'ai pas m'appuyer sur un truc. J'avais la trace de je sais pas quoi. J'avais une marque sur mon front, ben là vous la voyez. J'ai dû dormir comme ça sur quelque chose, je sais pas. Bref, j'ai emmené Charlie à la crèche, les filles. Là, j'emmène Boule. Et voilà, après, je vais vous bouquer, je vais ouvrir. J'ai 2-3 trucs à faire. Je devais envoyer un colis Vinted. J'ai complètement oublié de l'emballer. Genre, j'ai fait j'ai imprimé la feuille, j'ai pas emballé hier. Faut que je l'envoie demain. Enfin, voilà, là, ça m'a trop perturbé cette histoire de carnet, là. Je l'ai trop parce que je pensais qu'à ça. Ce soir, cet après-midi, après le travail, je vais faire un soin pour le visage, les filles. Trop hâte de vous partager. Ils ont l'air incroyables, ils sont cachés. Voilà, donc j'y vais après, dès que je finis le travail. Avant d'aller chercher à l'école, en fait. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, la draisienne de hier que j'ai achetée à Charlie. Elle a du mal. Genre elle a du mal à comprendre que je sais pas, en fait il faut de l'équilibre. Et elle a toujours été habituée enfin toutes les motos que j'ai, c'est soit des deux roues mais très grosses roues larges. Donc en fait ça tient tout seul. Soit trois roues. Donc là vraiment c'est le premier deux roues, genre. Vrai deux roues. Donc c'est pas facile à comprendre au début. Hein. Enfin, je vois qu'elle galère un peu. Mais je pense qu'à force, elle va bien y arriver. Mais ça me fait un peu peur, j'ai l'impression que c'est dangereux. Genre, je me dis peut-être qu'il faut chercher des équipements. Je jure, ça m'a l'air quand même dangereux. Bon, voilà les filles, allez, je pose Joy. J'ai assez parlé. Bon, le matin, faut que je retrouve ces carnets. Faut que je retrouve les carnets de santé. Je vous fais des bisous, les filles, à tout à l'heure.